Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oleana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage sentimental pour le mois de septembre 2020 pour le signe D. Attention, il n'en reste plus beaucoup, mais je suis à la bourre, hein, je suis en retard. Et oui, ça c'est la mère Olé. Pour le signe des scorpions, allez, c'est à vous mes amis scorpions. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise le jeu 32. Waouh, regardez mes amis scorpions. Un nouveau départ, une nouvelle relation, une belle naissance de relation dans le sentimental. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse pour vous mes amis scorpionnes ou mes amis scorpions. Pour celles et ceux qui sont en couple et qui désirent un bébé. Donc là, il y a vraiment la naissance, la grossesse qui est... Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Et donc, le 7 de cœur, c'est aussi une carte de réconciliation. Hein. Aussi, aussi. Donc, comme je disais, j'utilise le jeu 32, tirage à 15 cartes. Si votre tirage... Ah, ben décidément. Oh, ben regardez. Hey. Vous, mesdames scorpionnes ou messieurs scorpions, vous inversez. On a la carte du foyer, la maison. Le cocooning. Ça, c'est beau, ça. Peut-être le projet de vivre ensemble dans la même maison, sous le même toit. Donc, je récapitule. Donc, si votre jeu est positif, hein, et si je sors des cartes magnifiques, il n'y aura pas l'utilité que j'utilise Monsieur l'Oracle des Miroirs pour vous faire votre tirage en croix pour avoir plus de précision. Si vraiment les cartes ne sont pas très jolies de votre tirage, mais je n'en doute pas, hein, je pense que nous croisons les doigts, bien sûr, qu'il soit magnifique. Mais en tous les cas, j'utiliserai l'oracle des miroirs, hein, pour apporter plus de précision. Alors là, il peut y avoir là une colère avec votre maman ou une personne plus âgée que vous, autour de vous, une personne féminine. Ça peut être aussi vous, mesdames, hein, concernant une colère, donc concernant la dame de pique représente la femme de la cinquantaine, à partir de la cinquantaine. Donc il peut y avoir une colère là, hein, pour certaines et certains. Donc, vous inversez, hein, messieurs, hein. Ouais, ouais, il peut y avoir une colère. Waouh, 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 waouh. On avait le 7 de cœur tout à l'heure et là, nous avons le 10 de cœur et le déplacement, le 8 de carreau. Donc là, ça nous parle d'amour, de projet. On avait la dame de trèfle, l'as de cœur tout à l'heure. Donc, projet de vivre ensemble, projet d'acheter une maison, projet de bébé. En tous les cas, il y aura un petit déplacement. Peut-être que vous allez voir votre chair étendre. Donc là, c'est plutôt magnifique. C'est plutôt pas mal, mes amis scorpions, mes scorpionnes. Je suis ascendant scorpionne. Attention, les amis. Ah, les femmes scorpionnes, elles ne se laissent pas faire. Hein. Attention. Faut pas ni venir nous titiller. Hein. Enfin, moi, c'est mon ascendant, mais attention. Hein. Je me laisse pas faire. Et je le ressens, hein, que j'ai du scorpion en moi, parce que j'ai passé la quarantaine, là. Donc, notre ascendant change, hein. Nous prenons notre ascendant, prend le dessus à partir de la quarantaine. Nous avons la dame de carreau, messieurs et mesdames scorpionnes. Attention, une femme pas bonne, une femme perfide autour de vous pour ce mois de septembre 2020. On vous dit d'être prudent ou d'être prudente. Ça peut être quand c'est comme c'est sentimental. Peut-être qu'il y a une ex qui tourne autour de votre compagnon, de votre mari ou de votre femme. On va regarder plus clairement ce qu'il y a derrière cette dame de carreau. Vous les voyez toutes là? Ouais. Normalement, ouais, c'est bon. Ok, ouais, je fais ma tatasse. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Allez, dame de carreau. Oh, bah, punaise. On a dame de carreau, valet de pique. Donc là, on vous dit, waouh. Bon, vous avez la réussite dessus. Bon, là, on vous dit quand même, hein, mesdames scorpions, enfin, scorpionnes ou messieurs scorpions. Alors, ça peut être une ex, pour vous, mesdames scorpions, de votre compagnon. Peut-être sa femme, hein, pour celles et ceux qui sont triangulaires. Là, on vous dit de faire attention parce que là, il y a de la manipulation dans l'air et même de la méchanceté. Hein. Il y a vraiment de la méchanceté. Vous avez la réussite dessus avec l'homme. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il nous arrive un pic. Ouais, c'est génial. Donc, il y a de la joie derrière. Donc là, franchement, vous allez vraiment signer des papiers. Hein. Là, c'est on repart sur une autre histoire. Il y aura un déménagement. Ouais, ok, c'est bon. Donc, je reviens sur le point de départ de cette dame de carreau. Donc, il y a une femme pas bonne, manipulatrice, qui vous veut du mal, hein, qui ne va pas lâcher l'affaire. Donc, on vous dit de faire attention, mais vous avez la réussite dessus et surtout la réussite avec cet homme avec qui il y aura signature de contrat et il y a de la joie après. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a la réussite sur cette femme-là, hein, pas bonne. Mais on vous dit de redoubler de vigilance. On vous dit, alors peut-être que cette femme-là est vénale, peut-être qu'elle va essayer de le lapider, hein, votre chair est tendre. Ça peut être vous, hein, mesdames, hein, si ce n'est pas une ex autour de vous, de votre chérie, ça peut être une femme qui est vénale en tous les cas, qui vous dit, qui va peut-être essayer de vous manipuler aussi. On vous dit que là, il n'y aura pas de... Là, c'est une personne avec qui vous êtes
Il est dans une situation. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème d'argent, mais là, on va vous dire, à cause de cette femme-là, je pense que votre chair et tendre va vous dire qu'il y a un blocage concernant un divorce. Donc là, ça peut nous parler de amis scorpions. Si vous êtes dans une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne est en situation de divorce, on vous dit que là, il y a un blocage sur de l'argent. Il va vous le dire. Hein. Il y a un petit blocage là. Hein. C'est pas méchant. Bon, en tous les cas, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Quand vous avez ça, avec là au milieu, certitude, le couple, vous avez le couple. Hein. Ça va nous finir par un mariage, hein, mes amis scorpions. Hein. Là, quand vous avez ça, ça, là, c'est mariage, avec certitude. Hein. Donc là, c'est un homme qui ne se laisse pas faire ou une femme qui ne se laisse pas faire. Hein. Alors peut-être, donc on ressort hein, cet as de cœur, on nous annonce sur du retard. Donc là, pour l'instant, vous êtes peut-être chacun chez soi. Peut-être que la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer ou celles et ceux qui sont triangulaires et que la personne décide de divorcer avec sa future ou son futur, ex-femme ou ex-mari, ou celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, hein, mes amis scorpions, il y a une situation à régler concernant une ex à lui, une ex-femme ou sa femme, ou son mari ou son ex-mari. Et je baille. Donc là, honnêtement, là, c'est nickel. Hein. Il y a vraiment une situation que sur du retard, vous allez vivre ensemble. Là, la personne règle ses problèmes. D'accord ? Problème de bien à répartir les choses, justement à son divorce, de récupérer certaines choses de valeur, la maison, des biens ou un bien, ou de l'argent. Hein. Mais elle bloque. Waouh, waouh, waouh. C'est un homme ou une femme qui a ce côté un peu immature avec qui vous êtes, ou sinon qui est carrément plus jeune que vous, en âge. Et on vous dit sur du retard, vous vivez avec cette personne-là. On vous dit, waouh, il y aura un déménagement. Hein. Il y en a qui vont déménager. Hein. Vous allez vivre avec la personne. Hein. Vous avez un projet, mais de vivre loin. J'ai pas le roi de carreau. Ouais. Et vous avez vos amis qui vous défendent. Hein. Vous avez vos amis qui vont être contents pour vous. Vous avez surtout... Alors, soit si vous avez des enfants, une fille, une meilleure amie ou une sœur, il y a de la joie. Hein. Vous allez annoncer la nouvelle que vous partez, que vous avez rencontré quelqu'un, mes amis scorpions, et vous êtes soutenus par vos amis. C'est un magnifique tirage. Hein. Honnêtement, c'est un magnifique tirage. Il n'y a que ça là, mais qui est qu'en rapport avec l'argent. Ce n'est pas méchant. Je vous dis que la personne va régler ses problèmes à cause d'elle ou à cause de lui, mais vous inversez, hein, bien sûr, malgré que la dame de carreau ne change pas. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a une femme pas bonne, soit autour de vous, mais moi, ça serait plutôt autour de la personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Mais en tous les cas, pour moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a que de l'amour. Hein. Donc, je n'ai pas l'utilité de vous en donner plus. On va recouvrir quand même. On recouvrira la dame de carreau. Et je n'ai pas d'autres cartes négatives. Hein. Le 9 de pique, on ne le recouvre pas. C'est juste une carte de blocage. Ça, c'est l'homme de loi, donc le notaire. Hein. Pourquoi pas signer, déménager. En tous les cas, il y a pourquoi pas un mariage. En tous les cas, on a bien ce roi de trèfle et cette dame de trèfle. Hein. Donc ça, c'est magnifique. On a cette as de carreau qui nous représente as de cœur, pardon, qui nous représente le foyer. On va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? J'ai deux rois. J'ai deux dames. Celle-là, je ne la compte pas. J'ai qu'un valet. Donc les figures, c'est bon. On n'en parle plus. J'ai que deux as. Ok, j'ai quoi ? Ben, j'ai 3-10. 3-10, c'est joie sur un projet, hein, la réussite sur joie sur un projet. 4-10, 3-10, c'est la satisfaction. 1-2-3. J'ai quoi d'autre ? J'ai 1-8, j'ai 2-7 et j'ai que 2-9. Bon, on va recouvrir, ben, j'ai que la dame de carreau à recouvrir. Non, c'est un magnifique tirage. Honnêtement. Bon, il y en a deux qui se sont retournés. Bon, voyez, vous êtes inquiète quand même concernant une situation. Il y en a qui peuvent être inquiètes concernant l'argent. La situation actuelle va être résolue. D'accord ? Vous vous tracassez, mais je vous dis, votre chair et tendre, que ce soit un homme ou une femme, consultant ou la consultante, hein, votre partenaire, en tous les cas, va gérer les choses. Ok ? Il y a la réussite. Hein. La réussite sur les tracas. Ok. Alors, là, on nous dit quoi ? Dame de carreau, 7 de cœur. Peut-être que cette femme, c'est son ex. Peut-être qu'elle va se servir des enfants. Bon, là, on a le 7 de cœur. Peut-être qu'elle va peut-être faire croire qu'elle est enceinte, hein, pour foutre le bazar aussi. Mais ça peut être aussi, on vous dit de faire attention, mesdames scorpions, messieurs scorpions, à de nouvelles connaissances féminines. D'accord ? Peut-être qu'une de vos ex va essayer de faire copine avec votre chéri, messieurs scorpions ou mesdames scorpions, ou inversement. Ou c'est peut-être l'ex qui va essayer de faire copine avec vous. On vous dit de faire attention aux nouvelles relations. Hein. D'accord ? Bon, bah, c'est plutôt pas mal, mes amis scorpions.
Honnêtement, c'est un magnifique tirage. Roi de trèfle, dame de trèfle, quand vous sortez ça dans un jeu de 32, c'est l'amour et c'est surtout signe de mariage et d'accomplissement. Ok ? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage pour ce mois de septembre 2020 sentimental, mes amis scorpions, vous aura parlé. Moi, en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien évidemment le mois prochain, donc le mois d'octobre 2020. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao, bye bye.